bretonne au XXe siècle, ou peut-être plus précisément les architectures. En écrivant ce livre avec mon ami Daniel Lecoly, qui est professeur à l'Université de Bretagne occidentale à Brest, on a voulu finalement faire un bilan d'un siècle de production extrêmement riche. Et il en est résulté effectivement ce livre qui est sorti l'été dernier aux éditions Palantine, hein, qui est une somme, on ne peut pas le nier, puisqu'il fait 400 pages, près de 4 kilos. Donc, on a l'un et l'autre essayé de condenser notre expérience du terrain et de cette architecture, de ces architectures bretonnes du XXe siècle. C'est l'œuvre, une des premières œuvres d'un architecte important hein, pour le sud de la Bretagne, Louis-Marie Dutart, qui va être un des grands architectes de l'Orient dans l'entre-deux-guerres et y compris dans les années qui vont suivre la reconstruction. Mais l'essentiel de sa production se situe quand même dans l'entre-deux-guerres. Il est ici en 1908, donc il a laissé un bel exemple de cette architecture beaux-arts ou de ce style éclectique. Avec beaucoup de bonne volonté, mais un peu de naïveté aussi, on n'est pas évidemment à Nancy ou à Vienne, les grandes capitales de l'art nouveau, mais il a donné un caractère résolument moderniste à sa façade, avec ce côté dissymétrique, avec ces espèces de bandeaux, de phylactères qui sont ponctués de grands motifs floraux, avec des balcons qui sont disposés tête bêche au premier et au deuxième étage. Et lorsque le service de l'inventaire a travaillé sur Quimperlé il y a quelques années, eh bien, mes collègues ont repéré un certain nombre d'autres réalisations de Jean Joncourt dans la campagne de Quimperlé, y compris à Mélac. Hein, il y a des encadrements de fenêtres qui reprennent tout à fait ces motifs. Conserver quelques maisons à Lorient et à Hennebon, malgré les destructions de la guerre. Et puis, encore plus près de nous, un bel exemple qui nous montre que l'art déco s'est aussi implanté dans les programmes d'architecture publique, hein, dans les écoles et les collèges. Au monde industriel, c'est les hangars d'aviation d'Orly qui ont inspiré tous les architectes de cette génération. Qui a été ici transposé dans le domaine de l'architecture sacrée. Le système un peu voisin du précédent, qui consistait à glisser dans une armature verticale, donc des panneaux, non pas de ciment armé, vous savez, dans la région de Lorient, enfin entre ici et Lorient, on va dire, il y a des kaolins, donc c'était du kaolin pressé hein, qui était utilisé dans ces maisons Saucor, et j'en ai choisi une qui a été mise en œuvre par Pierre Brunet, un architecte bien connu des Quimperlé.